annoncée par M. le ministre, et l'état des lieux, la description de l'état des lieux qu'il a eu à faire. Nous savions que vraiment, quand il voit ce qui s'est passé, c'est vraiment, ça ne fait pas de paix au cœur. Nous reconnaissons très sincèrement, mais nous avons vraiment regretté le comportement de ces individus, dont moi personnellement je ne retrouve pas comme étant des jeunes de Sangaré. Je n'ai jamais imaginé qu'un jeune de Sangaré est capable de faire de tels trucs. Donc, comme les investigations sont en cours, nous pensons que la vérité sera dite et nous saurons exactement ceux-là qui ont commis ces actes soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Et il a annoncé que Sangaré va reconstruire, la population va reconstruire, la collectivité va reconstruire Sangaré. Quel engagement prenez-vous en tant que président de la délégation spéciale? Bon, voilà, l'engagement, je vais transmettre cette instruction à la communauté, à travers le conseil communal. C'est à ce moment que je ne peux rien promettre maintenant là, mais avec les conseillers communaux qui sont représentants du peuple de Sangaré, on va en discuter et prendre la décision. Merci. Merci.